Le prochain défi va vous demander de fabriquer un mousquet, un pistolet à silex ou un canon. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra un établi. Donc dans l'établi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit un mousquet, donc juste ici, mousquet de pirate, ou alors un pistolet à silex. Donc dans les deux cas, pour le mousquet de pirate, il vous faudra de l'acajou et des tiges d'acajou. Donc je vais vous expliquer comment en obtenir. Après, il vous faudra de la corde et de la poudre explosive. Mais ça, j'ai déjà expliqué comment les avoir. Et pareil pour le pistolet à silex, il vous faudra de l'acajou ou des tiges d'acajou. Et de la corde et de la poudre explosive. Alors par contre, dans le défi, il est marqué qu'on peut créer aussi un canon. Par contre, des canons, il n'y en a pas. Moi, j'ai fouillé et même en labo de combat, enfin en bac à sable, il n'y a aucun canon. Donc je pense que prochainement, ils ajouteront un canon. Mais pour l'instant, on ne peut pas fabriquer de canon. Ou alors, peut-être, qu'ils parlent de fabriquer un boulet de canon. Mais voilà, ça n'a pas été très précis dans l'énoncé, si c'est le cas. Parce que là, on peut créer des boulets de canon, mais on n'a pas de canon, donc je ne sais pas. En tous les cas, s'il faut créer un boulet de canon, il faudra soit du granit, soit de la poudre explosive. Donc c'est deux ressources, vous savez comment les avoir, j'ai déjà fait des tutos là-dessus. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment avoir de l'acajou. Alors, pour obtenir de l'acajou, il va falloir vous rendre dans les îles perdues en utilisant le voyage rapide des arrêts de bus. Donc vous vous rendez aux îles perdues. Alors quand vous êtes dans les îles perdues, pour trouver de l'acajou, vous allez pouvoir en trouver n'importe où. Que ce soit dans les montagnes, dans la jungle et dans les plaines. Le seul endroit où vous ne pourrez peut-être pas en trouver, c'est sur la plage, parce que j'en ai jamais vu. Donc je pense qu'il n'y en a pas sur les plages. Alors pour trouver de l'acajou, il vous faudra obligatoirement une hache. Et il vous faudra détruire ce genre d'arbres. Donc c'est des petits arbres, on dirait des bonsaïs parce qu'ils ont un feuillage tout plat on dirait. Et ils ont des racines plus sombres que les arbres normaux. Donc regardez, le feuillage de cet arbre est un peu plus feuillu. Celui-là est un peu plus plat. Et la couleur du tronc de l'arbre est plus claire. Donc ça c'est du bois normal tout simplement. Et de l'acajou en fait, c'est du bois plus sombre. Donc quand vous avez une pioche, enfin une hache, je pense qu'une hache normale devrait suffire pour casser l'acajou. Mais sinon, il faudra peut-être une hache art minimum, voire épique, mais je pense pas. Je pense qu'une hache normale pourra casser l'acajou, enfin les arbres et obtenir de l'acajou, pour obtenir de l'acajou. Et comme vous pouvez voir, quand je casse l'arbre, en fait, j'obtiens des morceaux de tronc d'arbre un peu plus rouges. De base, ils sont un peu plus bruns, hein, les bois normaux, et là en fait ils sont un peu plus foncés. Donc maintenant que vous avez votre acajou, vous allez devoir fabriquer des tiges d'acajou. Et pour obtenir ces tiges, vous allez devoir vous rendre dans votre scierie avec de l'acajou pour fabriquer des tiges en acajou. Donc il vous faudra un acajou pour fabriquer une tige. Donc ça va, c'est assez raisonnable. Donc ensuite, quand vous avez récupéré vos tiges d'acajou, là vous allez devoir vous rendre dans votre scierie pour fabriquer les armes en question. Bien entendu, pour les fabriquer, il vous faudra les autres ressources. Donc là, il me faudra de la corde et de la poudre explosive. Ok, donc là, je me suis équipé des ressources et maintenant, je peux fabriquer soit mon pistolet à silex, soit mon mousquet de pirate, ou alors encore un boulet de canon. Alors, je vais quand même fabriquer un boulet de canon pour voir si ça valide le défi. Alors, je suis pas sûr, hein, mais on va voir. Non, ça ne valide pas le défi. Donc, ça veut dire qu'il y aura prochainement un canon qu'on pourra construire. Après, peut-être qu'on peut déjà le construire, mais personnellement, je ne sais pas comment faire. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un pistolet à silex. Et là, logiquement, dès que ce sera fait, je vais terminer le défi. Donc effectivement, regardez, là, j'ai terminé le défi. Et je débloque les récompenses. Code créateur SCS.